matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. T'as encore soif ou quoi? Il y en a un qui a encore soif. Aujourd'hui, je vais vous montrer une journée complète dans notre vie avec un nouveau-né. Le présentement Arthur, il y a 6 semaines. Le temps va tellement vite, c'est fou. Puis je trouve que déjà en 6 semaines, il a tellement évolué, il a tellement changé. Il y a tellement de nouvelles compétences qui se développent. Il y a des fois que ça me rend un peu triste de penser qu'il sera plus jamais petit. Mais en même temps, j'ai vraiment hâte pour ce qui s'en vient. Je sais pas trop penser au futur ni au fait qu'il va plus être petit. Fait que j'essaie d'être le plus possible dans le moment présent, mais c'est difficile des fois. On a quand même eu une belle nuit. On s'est couché, je pense, vers 9h. Puis s'est réveillé vers minuit. C'était pas un de ses plus longs stretch. Il a fait un 3h. Les nuits en ce moment, c'est vraiment variable. On dirait qu'il y a des phases. Les premières semaines, il se réveillait aux 3-4 heures, puis dès qu'on le recouchait, il se rendormait tout de suite. Puis après ça, il y a eu des phases où est-ce que dès qu'on le recouchait, il était super réveillé, fait que là, c'était vraiment long le rendormir. Mais en général, ça se passe quand même bien. Puis là, même la dernière semaine, il m'a fait 4 ou 5 soirs de suite. On le couchait, puis il faisait 5 heures en ligne, mais après ça, il se réveillait quand même souvent. Mais au moins, le premier stretch de 5 heures, ça faisait vraiment du bien. Là, je me sentais vraiment reposée. Puis là, cette nuit, c'est la première fois qu'il s'est réveillé autour de minuit, je pense. Puis là, quand je l'ai recouché, il s'est rendormi tout de suite. Ça, c'était vraiment le fun. C'est tellement le fun quand ça arrive. Puis après ça, je pense qu'il s'est réveillé autour de 4h30. Puis là, je l'ai recouché, il chignait un peu, puis je pense que ça a pris comme quelques fois là, avant qu'il réussisse à se rendormir. Martin, lui, je pense qu'il s'est levé en même temps que moi autour de 4h30, parce qu'il y avait un entraînement de natation ce matin. Il est vraiment bon de se réveiller à cette heure-là pour s'entraîner à tous les matins. Il se réveille toujours autour de 5h, là, pour réussir à faire ses trucs avant que moi, je me lève. Puis même des fois, si j'ai de la misère à rendormir, là, c'est sur autour de 5h du matin, puis lui, il s'est déjà levé pour aller s'entraîner, mais il va des fois le prendre en bas avec lui. Martin, il est vraiment bon pour réussir à l'endormir, fait qu'il l'endort en bas, il me laisse dormir en haut, puis après, il vient me le reporter en haut. Fait que là, on a refait un autre petit stretch de quoi? Peut-être 1h30, hein, après qu'on se soit endormi. C'était pas très long, mais on a réussi à s'endormir, puis ça fait du bien. Puis là, ce matin, j'ai récolté dans mon ranca. Si vous saviez pas, dans le fond, quand on allait d'un côté, de l'autre côté, le sein il coule. Fait qu'à la place que ce soit gaspillé dans mes pattes d'allaitement, dans ta brassière, dans ton t-shirt ou peu importe, ben j'utilise le haka. Fait que comment ça fonctionne dans le fond, c'est que tu viens juste comme déplier cette partie-là du haut. Là, t'insères ton mamelon là-dedans. Là, tu déplie tout. Puis là, ça vient récolter ton lait qui coule. Et bien aussi faire une légère suction aussi, fait que ça vient peut-être chercher un petit peu plus que qu'est-ce qui aurait coulé. Ça a peut-être pas l'air de beaucoup, mais tu sais, à chaque fois, si c'est un demi-once ou un once, ben ça va vite, là. Fait qu'après un ou deux jours, ben là, j'ai réussi à remplir un sac de récolte de lait maternel. Puis là, je suis capable de le congeler au congélateur. Fait que ça me fait une belle récolte. C'est pas récolte, le mot que je veux utiliser. Ça me fait une belle... ça me fait un bon stash, là, déjà, de mis de côté dans le congélateur. Fait que ça, on va pouvoir les utiliser plus tard, là, si on veut faire garder Arthur. Quelqu'un va pouvoir lui donner mon lait dans un biberon. Es-tu prêt à commencer la journée? Oh! Go bye, ça! Allô tout le monde, c'est moi Arthur. C'est moi qui réveille ma maman la nuit pour boire du lait, puis changer ma couche. On va-tu faire à déjeuner? Toi, t'as déjà eu ton déjeuner. Luna, tu viens-tu déjeuner avec nous? Ok, on y va! Tu sais, c'est le lait que j'ai récolté tantôt. La règle avec le lait maternel, c'est qu'il faut que tu combines les laits ensemble à la même température. Fait que là, j'ai déjà un sac dans le frigidaire qui est parti. Puis là, ce que je fais, c'est que je mets mon haka dans le frigidaire. Puis là, après quelques temps, quand il devient la même température que l'autre lait, ben là, je peux les combiner ensemble. Je pense que c'est une question de bactéries qui peut se développer à cause des températures différentes. Bref. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais toujours le même smoothie. C'est toujours fraises, bananes, épinards, beurre de peanut et poudre de cacao. Je suis tellement pas originale, je sais, mais c'est mon classique, j'aime ça. C'est souvent là que je prends mes suppléments. Fait que je continue de prendre mon prénatal de MyKind Organics. Je l'aime beaucoup parce qu'il est biologique, il fait de vraiment bons ingrédients. Je prends aussi des oméga postnatal. Celui-là, c'est de la compagnie Nordic Naturals. Je les aime beaucoup. Je prenais leur version prénatale quand j'étais enceinte. Puis je prends un probiotique postnatal aussi. Ça, c'est celui de la compagnie Love Bug. Ça supporte aussi la lactation. Fait que je prends ça. Puis pendant la journée, j'essaie de boire le plus d'eau possible aussi parce que quand que tu fais du lait, ben la grande majorité c'est fait d'eau. Fait que c'est important de boire beaucoup d'eau et de rester hydraté. En fait, c'est tout le temps important de rester hydraté, mais particulièrement quand tu t'allaites, je pense.
C'est-tu l'heure de tes suppléments à toi aussi? Artie, on lui donne à tous les jours de la vitamine D3. J'aime beaucoup celle de Landart, elle est biologique. Oui, c'est-tu l'heure de ta vitamine? C'est l'heure de ta vitamine? Oui. On ouvre la bouche! Miam, miam, miam! Miam, miam, miam! Tu commences à être grincheux. Est-ce que c'est l'heure de ta première sieste? Ok. Là, c'est déjà l'heure de la première sieste à Arthur. Il n'a pas tant fait longtemps, mais en même temps, il n'a pas eu un sommeil excellent non plus la dernière partie, fait qu'il est peut-être plus fatigué. Puis avec un nouveau-né, je voulais vraiment pas me mettre de pression à faire une routine. Je voulais vraiment suivre son beat à lui. Au début, là, c'était vraiment juste il mangeait, il dormait, il mangeait, il dormait. C'était que ça. Puis à un moment donné, ses périodes d'éveil se sont mis à s'allonger, fait que c'est ça, c'était le fun. On pouvait faire plus de choses pendant qu'il était éveillé. Puis là, il y a comme une mini-routine qui s'installe, mais c'est rien de vraiment strict. Il y a pas d'heure, il y a pas d'horaire. On suit vraiment plus le beat manger, jouer et dormir. Quand je sais que c'est l'heure de sa sieste et qu'il se met à chigner puis à être un peu moins content, je le mets dans son sleep tight avec sa suce puis d'habitude, il se met à fermer ses yeux en dedans de pas longtemps. Des fois, il faut comme remettre la suce à plusieurs reprises, mais là, il a l'air de bien la garder dans sa bouche. Fait que pendant sa première sieste, je pense que je vais juste en profiter pour comme faire un petit ramassis rapide de la maison. J'aime ça faire un petit 10-15 minutes de ménage au début de la journée, puis on dirait que j'ai l'impression que ça part bien la journée quand on fait ça. Puis après ça, j'aimerais ça me préparer pour la journée aussi. C'est comme là, il a échappé sa suce. Des fois, ça le réveille, puis là, il faut continuer d'y remettre dans sa bouche, mais là, il s'est endormi. Fait que là, quand il échappe sa suce puis il s'endort, on sait qu'il est parti pour un bout. Golden, golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Mountain laurel high five for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden. Martin est revenu de sa natation. Martin, il veut faire un triathlon, un demi-Ironman l'été prochain. Gabis! Je le trouve très bon. Moi puis Arthur, on va aller l'encourager avec une pancarte. J'ai vu une vidéo récemment dans les Reels Instagram, puis c'était une vidéo sur ces trucs-là, ça s'appelle des Fur Zapper. Puis il a fallu que je les achète pour les essayer, puis honnêtement, ça fonctionne vraiment bien. Ils sont faits comme en... c'est quoi la texture? C'est caoutchouc, là. En caoutchouc, mais comme collant, mais pas super collant. En tout cas, t'es mis dans la laveuse, puis une fois que le lavage est fini, après ça, t'es mis dans la sécheuse, puis ce que ça fait, c'est que ça attire tous les poils d'animaux, les cheveux, parce que souvent, sur nos chandails, il y a toujours comme, c'est ça, encore des poils de chien intégrés dedans, des cheveux, où il y a plein de trucs. Puis ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Fur Zapper, je vais mettre ça en lien en bas. Je vais juste les lancer dans la laveuse comme ça. Pioup! Et voilà. Je sais pas si vous m'entendez malgré la laveuse qui fonctionne. Mais le matin, quelque chose que j'ai trouvé de vraiment important, même quand je suis à la maison toute la journée, c'est de me préparer le matin. Je suis pas obligée de me maquiller, mais juste comme de me changer de mon pyjama puis de m'habiller en vrai vêtement, je trouve que ça fait vraiment du bien au moral. J'ai l'impression d'être plus productive à la fin de la journée. Feet step over splinters of the moon.
fatigue. Tu veux-tu faire ta prochaine sieste? Tu veux-tu t'assurer? Il était pas vraiment en train de chiner, mais il se frottait beaucoup les yeux, puis ses yeux ratissaient, puis il baillait. Fait que j'ai mis sa suce, puis là, il a l'air content, fait qu'il va relaxer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis en attendant, ben moi, je vais plier du linge. À 10h15 pour sa sieste, fait qu'il a dormi environ 1h20, mettons. C'est une bonne sieste. Là, il a faim. Moi aussi, je vais bientôt aller me faire à dîner, puis à Martin aussi. Quelque chose que j'aime vraiment faire pendant que j'allais, à la place de toujours être sur mon sel à regarder des trucs inutiles, c'est de lire sur mon Kindle. C'est un nouvel achat que j'ai fait. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais le goût de recommencer à lire des livres, tu sais, des romans. Dans les dernières années, j'ai beaucoup lu, mais c'était tous des livres de croissance personnelle. Là, récemment, c'était tous des livres sur la grossesse, l'accouchement, le développement de l'enfant. C'est super intéressant comme livre. J'aime vraiment ça lire des livres comme ça. J'aime ça apprendre des choses puis les mettre en pratique. Mais j'avais vraiment le goût de retomber dans le monde de la lecture puis des romans puis tu sais, de lire une histoire puis de s'imaginer tout ce monde-là dans ta tête. Ça me manquait vraiment beaucoup. J'ai l'application Kindle sur mon téléphone, mais c'est vraiment petit lire sur un téléphone. Fait puis en plus, quand je fais de la lecture, souvent c'est pour m'éloigner de mon téléphone. Quand tu lis sur ton ciel, ben là tu continues d'avoir les notifications, la lumière bleue puis tout ça. Fait que finalement, je me suis décidée puis j'ai acheté le Kindle. Et puis là, en ce moment, ce que je suis en train de lire, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est l'histoire d'une femme dans les années 50. On suit sa montée comme dans Hollywood. C'est une actrice. À travers les chapitres, on apprend toutes les histoires de chacun de ses maris. Puis là, en tout, elle a eu 7 maris. Et puis là, aujourd'hui, ils sont tous morts. Fait que c'est vraiment comme mystérieux. Je réalise que j'aime vraiment les livres qui sont comme des meurtres et mystères. Mais tu sais, léger, là, pas horreur. À date, j'aime vraiment ça. Je recommande. Je suis juste rendue à comme 35% du livre. Mais à date, c'est vraiment bon. Oh! C'est gourmi. Mais oui. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es endormi encore? T'es endormi? Fais-tu des bulles dans ton ventre? Quand je change ta couche, mon minus. Ah, Caroline. Tout propre. Bon, fait qu'Artie a mangé son dîner. Laissez mon tour pour manger mon dîner. C'est mon tour de manger mon dîner. Puis là, je suis tellement chanceuse en plus. Il y a tellement de nos amis puis de notre famille qui nous ont offert des repas après j'aille accoucher. Pour vrai, là, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient d'avoir un bébé, le meilleur cadeau que vous pouvez leur donner, c'est un repas. Ça sauve tellement de temps. J'avais fait beaucoup de meal prep avant d'accoucher. En fin de grossesse, j'ai tout congelé ça. Tu m'écoutes, hein? Tu trouves ça intéressant ce que je dis? Puis j'avais eu beaucoup d'aide de ma grand-mère puis de ma mère pour faire plein de nourriture. Fait qu'au moins, j'avais plein de repas de prendre en compte. Pour ça, je vous le suggère fortement, surtout si vous avez un chum qui cuisine pas full, là, Martin. Il est pas un chef cuisinier, mais il s'améliore beaucoup. Il m'a quand même fait des bons repas, mais c'était vraiment simple aussi de juste avoir à dégeler des trucs que j'avais préparés. Il y a quelque chose de merveilleux à manger, la nourriture que quelqu'un d'autre a cuisiné, là. Oh, tellement haut. Tellement bon. Là, je suis en train de manger la soupe que nos amis Jasmine et Simon nous ont cuisinée. Incroyable. Mon Dieu, faut que je leur demande la recette, là. Faut que je refasse ça. C'est si bon. Avec une tranche de pain au levain que ma mère m'a cuisiné. Oh, le pain au levain, là, j'adore ça. J'aimerais ça éventuellement, quand je vais avoir un petit peu plus de temps, là, commencer à faire du pain au levain parce que c'est magique. C'est si bon. Mmh.
sieste. Aller marcher avec Martin, puis avec Artie, puis avec Luna. Mais là, malheureusement, Martin, il y a plein de travail au sous-sol à faire. Il est tout en train de refaire littéralement notre fondation. Je débattais si j'allais prendre une marche en poussette, mais vu qu'on vit pas comme dans un quartier. Oui. Mais oui, t'es pris dans ton coton. T'es pris dans ton coton. Ouais. Quand on vit pas dans un quartier, il faut comme prendre l'auto pour aller rouler à quelque part pour faire de la poussette. Puis ça me tentait pas de le mettre dans sa coquille, mettre dans l'auto, après ça rouler, après ça le sortir de sa coquille, mettre dans la poussette. Et je pense que je vais juste le mettre dans le porte-bébé. Puis on va marcher un petit peu sur le terrain. Puis on va lancer le frisbee à Luna. Luna, tu veux-tu aller jouer? Veux-tu aller jouer, Luna? Sais-tu à quelle heure? Tu la vois? C'est Luna? C'est Luna ici? Je sais pas si Arthur va être réveillé, parce qu'à toutes les fois, à date que je l'ai mis dans le porte-bébé, il fait des doudous. Tu fais des doudous. Arthur! La belle sœur. Wow! Oups! T'es beau comme un cœur de prince. Regardez comme je suis cute, guys! T'es beau comme un cœur! Hein? Il regarde la lumière. Ouh! Tu veux-tu aller en porte-bébé dehors? On va-tu marcher? Avec Luna? Oh! Je suis là.
bouche, ça fait du bien. Martin est avec Arthur en ce moment, il fait encore des dodos. Il y a un gros bout que j'ai pas filmé là, parce que c'était pas mal occupé là, mais après être rentrée, j'ai commencé à faire le souper. On a soupé ensemble. C'est genre une de nos journées vu qu'on s'est pas vraiment vu puis parlé aujourd'hui, vu qu'il travaillait toute la journée dans le sous-sol en bas. Je trouve tellement bon d'avoir travaillé dans le vide sanitaire. Il est tout en train de remettre ça propre et beau. Dans la mesure du possible, là, ça reste un vide sanitaire. Si jamais vous vous demandez ce que j'ai mis dans mon visage, c'est la crème hydratante de CeraVe. Là, il est 8h en ce moment, fait que on va peut-être faire un petit peu de lecture, puis je vais attendre que Arthur se réveille de lui-même, puis une fois qu'il va être réveillé, on va monter en haut, puis je vais l'allaiter une dernière fois, puis on va tous coucher en même temps pour la nuit. Le meilleur truc que je trouve, c'est quand que Arthur se couche pour la nuit, c'est là qu'on se couche tous en même temps aussi, parce que là, ça me permet d'avoir un long stretch de dodo, parce que sinon, si on le couche, puis là, nous on reste réveillé, puis que là on se couche plus tard, ben là finalement il finit par nous réveiller quand ça fait vraiment pas longtemps qu'on s'est endormi, puis là, oh, en tout cas, ça coupe ton sommeil. Là, je vais toucher du bois, là, mais d'habitude, à chaque fois qu'on le couche pour le dodo, le soir, il s'endort tout de suite. Puis je sais que j'ai pas de problème, puis que là, on peut tous s'endormir. C'est arrivé à quelques reprises qu'il y avait de la misère à s'endormir. Là, dans ce temps-là, c'est Martin qui m'aide à l'endormir. D'habitude, c'est plus pendant la nuit là, qu'il y a de la misère à se rendormir par lui-même. Vu que c'est moi qui allaite, c'est moi qui se lève la nuit pour être avec Arthur. Je trouvais ça un peu inutile qu'on soit, moi et Martin, réveillés en même temps. Je trouvais ça pas nécessaire qu'elle se réveille en même temps que moi. Puis là, les deux, le lendemain, on soit fatigué. Fait que je préfère que ce soit que moi qui me lève la nuit. Puis pendant le jour, lui, il a plus d'énergie. Puis c'est ça, il peut faire plus de ménage ou, tu sais, faire de la vaisselle, de la nourriture. Puis s'occuper d'autres choses. Fait que c'est ça, on se partage bien les tâches comme ça. Il y a eu à quelques reprises par contre que pendant la nuit j'étais tellement fatiguée, puis le Arthur j'avais tellement de la misère à l'endormir que là j'ai demandé de l'aide, puis que là il m'a aidé. Puis en plus Martin il a tellement la twist là, il réussit à l'endormir vraiment rapidement. L'autre fois ça faisait comme 1h30 que j'essayais de l'endormir, là j'ai demandé de l'aide, puis le lendemain matin j'ai demandé puis combien de temps ça t'a pris, il était comme oh, peut-être 5 minutes max, j'étais genre wow. Fait que bref, j'espère que vous avez apprécié mon 24 heures avec mon nouveau-né. C'est sûr que là, il y a plein de petits moments dans la journée que... T'sais, j'ai pas pu tout vous montrer là, parce que ça va vite. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Puis le garder en tête que ça, c'est une journée parmi toutes les journées. Toutes les journées sont différentes, il n'y en a pas une qui se ressemble. Mais ça donne quand même un bon aperçu général de comme notre légère routine. Fait que sur ce, je vous aime beaucoup. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!